Que nous avons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons continué avec Request for Prosecutorial Discretion in Immigration Case. Nous avons ouais, semaine dernière là, déjà, nous avons fait aller sur la semaine dernière là, et nous avons ouais, pour qui ça que Request for Prosecutorial Discretion là, sont bail qui extrêmement important. Et qui ça fait que request for prosecutorial discretion sont bagay qui est important, c'est que c'est parce que gain une décision qui run en juin 2000 en juin dernier là qui t'a fait qu'on est qui bail gouvernement raison en nous font tirer aller d'abord. Qui ça qui request pour prosecutorial discretion? Qui ça qui prosecutorial discretion non? Prosecutorial discretion non, ça veut dire que c'est pouvoir que prosecutor a gagné, à savoir que Justice Département Homeland Security, Département Homeland Security dans cas d'immigration, Département Homeland Security, ça les ICE ou bien avocat gouvernement, yo ça les pouvoirs de prosecution. Savoir que vous êtes capable de décider est-ce que vous voulez poursuivre avec une caisse, prosécuter caisse là, ou bien pas prosécuter caisse là, ou bien pas poursuivre caisse là. C'est ça que les prosecutorial discretion. Et qui ça t'est passé, c'est que en 2021, juin 2021, le gouvernement est sorti en mémo, côté que le fait qu'on est, l'été vous elle bail tout. Moun qui responsable en forcement, moun qui est là qui pour exécuter loi dans la question de l'immigration, ICE, avocat gouvernement, yo, tout le monde ça. Il a fait reconnaître que puisque le gouvernement n'a pas gagné assez de ressources pour prosécuter tout immigrant qui est illégal dans le pays, ya, qui à peu près qui à peu près près de 1 million, près de 1 près de millions, et d'après chiffre, d'après qu'on a que près de 11 millions illégaux immigrants qui vivent dans le pays. Donc, nous pas vraiment un chiffre normal là, mais c'est chiffre ça que en pile monde bail. Mais chiffre en pile monde estimé tout que chiffre ça est beaucoup plus grand toujours. Bon, bref, donc, et à cause de manque de ressources, pour que vous prosécutez toute caisse ça, tout les légal immigrant, gouvernement dit comme ça que dans mes mots ça, dans lettre ça que vous voyez by tout le monde qui est responsable pour renforcer, pour exécuter loi sur question d'immigration, il dit comme ça que n'a priorisé, n'a seulement prosécuté des mouns qui fait partie de catégorie ça. Des mouns, premièrement, qui c'est en menace pour sécurité pays, hein? Et des mouns qui en menace pour public safety, et puis des mouns qui sont menaces tout pour frontières, là. À savoir que des mouns qui en menace pour sécurité pays, hein? À savoir que est-ce que mouns ça sont terroristes liés, est-ce que mouns ça sont espions. Et c'est Mounsao qui a poursuivi beaucoup plus. Et puis, deuxièmement, est-ce que Mounsao sont menaces pour ça, les safety pays, public safety, à savoir que sécurité pays, sécurité communautaire, pays communautaire, à savoir que est-ce que Mounsao sont monde qui commettent des crimes violents, et par exemple, c'est ce Mounsao qui condamné ça les aggravated felony, moun qui tue moun ou bien moun qui fait assault and battery, de tout bail ça, des moun qui ont des gens violents qui représentent une menace pour sécurité publique. Et puis, troisième catégorie de moun que y a couru avec eux, puis ont déporté, c'est moun qui t'a passé sous frontière là. À partir de novembre 2020. À partir de novembre, donc c'est Mounsao que y a couru, que y a voulu prosécuter. C'est Mounsao que y a déporté. Donc, c'est trois catégories ça. Et puis, ça qui est passé, c'est que les que le gouvernement vient avec Memo ça et Tegu. State Texas qui était un petit genre
qui était porté en action en justice, le Texas avec Louisiana qui était porté en action en justice contre le département de justice. Et puis, qu'est-ce que ça, c'est USA versus Texas, côté que il porté en action en justice contre le gouvernement, il a fait connaître que le gouvernement a un devoir pour les persécuter tout le monde qui t'a entré dans le pays de manière illégale, d'après la loi. Et puis, le gouvernement pas d'un droit pour y a et pour juste catégoriser une série de monde, c'est plus monde que après qui au fait qu'après dans pays ça et bon ça son burden lié pour son fardeau lié pour statue et spécialement state Texas. Donc que ça à cause de que ça qui était fil là. Donc, t'es gain, que ça, t'es allé dans pour une première instance, et la cour d'appel, deux instances, ça, t'es fait, ça, les propose, qui dit gouvernement, oh, et font camper sous, ça, les persécuteurs discretion. Donc, c'est ça qui fait que, même là que, gouvernement est voué, mémo, ça, lettre, ça, persécuteurs discretionnant, il y a un avocat qui était toujours fait quand même, mais l'hypothèque vraiment de manière légale, puisque quand l'a demandé, puis on te font camper sous lui, on te font pause sous lui. Et que ça te continue, que cela allait qu'on c'est dans juin 2000, c'est dans juin année ça, que Supreme Court qu'on y a li d'accord au gouvernement, t'as fait connaître que gouvernement li gen droit, puisque affaire immigration soit affaire de fédéral lié, gouvernement li gen droit pour les prioriser qui est-ce que les voulait persécuter. Donc, statio pas gain absolument rien à voir. Statio par exemple, pas gain standing, il y a rien à voir pour la question ça. Donc, son affaire fédérale liée et c'est gouvernement qui gain droit persécuter. Donc à partir de juin 2023, année ça, donc persécuteur discrétionnaire, il veut nous bailler légal, à savoir que ou capable fil ça relé on request pour prosecutor discretion. Donc pour qui ça ou obligé fil on request pour prosecutor discretion et qui moun cap bénéficier de request pour prosecutor discretion. Donc si que ou te recevoir un ordre de déportation et si que ou te dans removal proceeding ou te recevoir un ordre de déportation. Donc, c'est le moment pour demander ça, on request for prosecutorial discretion. À savoir que, ou capable de demander, court là, ou capable de demander gouvernement pour les fonds camper sous, pour les capables et terminer, pour les capables terminer ou bien dismiss et order ça à cause que ou pas fait partie de catégorie ça, que mes mots hein, étaient ciblés. Donc, qui moun qui capable faire bail ça? Qui moun qui capable dès que ou nan removal proceedings, dès que ou nan removal proceedings, dès que ou nan déportation, ou capable faire request for prosecutorial discretion? Et ce que ça veut dire, removal proceeding, non, ça veut dire que c'est procédure que ou là-dedans, automatiquement, qu'on entre dans le pays de manière illégale. Dès qu'on entre dans le pays de manière illégale, ou, gon ça veut dire, yo metto dans removal proceedings. À savoir que, le juge la court la pour déterminer, est-ce que yo capable voyo tourner, est-ce que capable voyo tourner dans le pays. Après que qu'on y a la cote la vin déterminée, vous avez retourné dans le pays, la cote la capable, et puis vous tendez, sous gen ça relève des défenses, des reliefs, ça relève tant qu'on a salom, tant qu'on conseille de l'autre relief, si que vous tendez, vous voyez que vous pas rempli condition, vous pas gagné assez preuve, vous pas rempli condition, cote la qu'on y a la, les métaux, les prend en order of removal contre, en order of removal, qui m'a donc qu'on y a pour quitter le pays, pour déporter. Donc, dès que ou nan situation ça, et gen pile moun ki nan situation ça, gen pile moun ki gen TPS ki nan situation ça, ki gen sa yale order of removal. Donc, si que ou gen order of removal, ou capable fait un request for prosecutorial discretion. Côté que ou mande gouvernement pour le capable dismiss case removal proceeding, nan, pour le capable dismiss
caisse déportation ou bien terminer caisse déportation. Et qu'on y a ça que nous bral chita souli, c'est qui ça que ou capable demander, qui ça que ou supposé montrer dans order, dans request pour prosecutor discretion. Qui ça ou supposé montrer dans request ça. Gouvernement te voye yon list by tout moun ki responsable enforcement, exécution et loi immigration, li voye list sa, nan list sa ke li voye apoun. Premier, sa ke gouvernement ap chache, se ki immigration statut, a la vi de ki statut immigration ko gen. A savoir ke si eske ou son moun ki gen sa rele ou se permanent ou kon permanent de résidence. Ou kon nou konen ke gen pil moun ki gen permanent de résidence ki kapab gen sa rele order de deportation. Si moun te komet ton crime, moun te komet ton fraud, on ba e kon sa, yu kapab mande moun nan pou kite peyi a gon order de deportation ki fet. Donc moun sa, li kapab fe sa rele on request for prosecutor discretion. Donc y ap determine d'abord eske ki statut ke moun sa gen. Eske moun nan li gen TPS, sou gen TPS, son ou gain on bail du plus toujours puisque avec TPS là yo pa ka déporter ou mais ou capable avec ça et c'est pas lui seulement mais il fait partie de on liste de points que on supposé montrer on liste de on supposé montrer on liste de facteurs qu'on supposé montrer pour que l'on fait request pour prosecutor discretion. Est-ce que son qui défile asile? Donc, tout bail ça, ou supposé montrer. Deuxièmement, qui facteur important tout, c'est facteur combien de temps ou gain ou vivre aux États-Unis. Donc, tant qu'on fait plus de temps ou vivre aux États-Unis, c'est tant qu'on gagne plus chance pour demander request pour prosecutor discretion. Alors, ils sont plus qu'on gagne pour demander prosecutorial discretion. Plus tant qu'on gagne dans le pays, c'est plus, et c'est une manière pour comprendre, c'est que le plus de temps que vous vivez aux États-Unis, c'est moins que le gouvernement est capable, plus ou moins, de déporter. À savoir que c'est plus ou vous gagnez attache dans le pays. Est-ce que dans le temps qu'on fait dans le pays, qui sont fait dans le pays? Est-ce qu'on va à l'école? Est-ce qu'on travaille? Tout bail ça, vous allez déterminer là-dedans. La question de temps que ou fait dans le pays. Deux, troisième point, que troisième facteur que le gouvernement va déterminer, est-ce que ou gon crime dans l'histoire? Est-ce qu'on fait crime dans le pays? Est-ce qu'on fait crime? Tant qu'on fait crime dans le pays, c'est tant ou moins éligible pour ça aller pour request pour prosecutor discretion. À savoir que qui crime qu'on fait? Parce que crime nan gain de crime qui gain droit pas tellement levé dans le niveau de aggravated felony, un crime qui est assez grave, mais toute question, on va déterminer combien de crimes que vous faites dans le pays, combien de crimes est-ce qu'on fait crime dans le pays. Et si vous faites, si pas de crime, tant mieux, mais si c'est un crime qu'on commet, qui crime que vous avez, est-ce que c'est felony, est-ce que c'est misdemeanor? Misdemeanor veut dire que son crime que sentence là lit moins que 1 an, alors que félonien son crime que sentence là lit plus que 1 an. Donc et tant que crime non grave c'est tant que lit plus difficile pour que au moment des requêtes pour prosecutor discretion. Et puis quatrième barrière qui est important tout, c'est humanitarian concerns, à savoir que est-ce que il y a un aspect humanitaire là-dedans. À savoir que qui aspect humanitaire, c'est que est-ce que ou son monde qui malade et est-ce que ou son monde qui malade et est-ce que son monde qui soit dans le pays ou la difficile pour joindre des soins, est-ce qu'on a ti moun nan li malade, ti moun nan li gen sa les disabilités et côté que la difficile c'est que ou ta tourner dans le pays ou avec ti moun sa ou la capable jouir de la capable joindre santé. Donc, en tout aspect humanitaire, ça yo important pour que ou capable soulever dans request for prosecutorial discretion. Et puis, immigration story.
qui histoire immigration qu'on gagne. Est-ce que son monde qui était toujours allé dans les ring qu'on gagne? Est-ce que ou pas présenté dans les ring non? Est-ce que c'est ça qui fait que ou gagne ordre de déportation? Et bien, tant que ou pas tant que ou pas aller dans les ring, ou pas aller dans l'audience, ou pas aller en courte. Il est difficile pour demander request pour prosecutor discretion, à moins que vous capable prouver que ça que fait ou pas dans l'encontre là, c'est parce que vous pas recevoir papier, ou bien ou t'es changé adresse, ou bien ou t'es malade, bah, et comme ça. Mais il est important pour que dans l'immigration history, il y ait que ou son monde qui t'es toujours présenté dans court, même si que court là t'es pour une décision qui n'est pas favorable à avoir, mais at least, mais au moins ou t'es qu'on paraître dans court. Ou t'as le fond en point tout, ou t'es respecté toute procédure. Et puis, troisième et cinquième, ça qui est important tout, c'est que est-ce que gain une chance pour que yo remove quand même dans le pays? Est-ce que conseil de circonstances, est-ce que conseil de facteurs qui capable montrer que ou son monde, même si on a pas possibilité de discrétion, ou son monde quand même que pile devant, yo tape remove quand même, à savoir que yo tape déporté quand même. Est-ce que conseil de gros crimes qu'on commet, est-ce que conseil de l'autre, est-ce qu'il y a plusieurs cases en même temps dans l'immigration, côté que yo te prend des décisions qui partent en faveur ou que yo te demande pour te quitter pays, hein? Tout bail ça est important. Et puis est-ce que gain chance tout pour que yo capable renforcer et loi par une autre manière, à savoir que est-ce que l'impossible pour que ou capable demander ça les voluntary departure, à savoir que ou capable demander gouvernement et pour retirer déportation pour alors que ou capable des pays en l'autre moment, dans l'autre temps. Et puis, l'autre bail qui est important tout, est-ce que ou possible qu'on capable gain relief, est-ce qu'on est éligible pour l'autre immigration relief, à savoir que est-ce que ou éligible pour l'autre immigration relief, ça veut dire. Ça veut dire que est-ce que ou son monde, par exemple, qui gain opportunité pour l'autre statut dans le pays. À savoir que yon nan moun ki bon candidat en pile qui pour demander request pour prosecutor discretion, c'est moun généralement qui gen sa relais qui appliqué pour ajustement statut. À savoir que ou marié avec un citizen, ou marié avec un monde qui est citoyen américain, ou bien avec un monde qui est résident, ou capable de demander ça les requests pour prosecutor discretion, non seulement sur de tout facteur ça, mais le fait que ou son monde qui est capable de changer statut, ou capable de demander request pour prosecutor discretion. À savoir que on nous dit par exemple, ou bien TPS, ou bien ou sous déportation là actuellement, ou sous removal proceedings, alors que ou marié avec un monde qui est citoyen américain, ou bien un monde qui est résident, ou puisque ou bral gen sa ou bral ajuste statut ou capable mande request for prosecutorial discretion puisque ou bral gon lot statut. Et l'extrêmement important pour faire ça puisque un monde qui nan removal proceedings, un monde qui sous déportation, li difficile pour que ou ajuste statut sans que case removal li pa fermé, sans que caisse removal li pa terminé, yo pa dismiss li. À savoir que ou supposé faire request pour prosecutor discretion. D'ailleurs, immigration pa pa accepté, pa brale move. Immigration pa continue à caisse là, caisse ajustement statut, à caisse résidence là, sans que
remouvoir les pas fermé sans que remouvoir les pas terminé rien de fermé hein? Excusez rien de fermé puisque gon l'autre signification de ça les clause que cela mais faut que cela les terminé ou bien que cela dismiss ou nouveau procédé non faut le dismiss et yon gens pour le capable dismiss c'est là que ou mandé request for prosecutorial discretion. Et puis, l'autre raison encore que vous êtes capable de demander tout, c'est que, à savoir que si que vous êtes coopéré avec la police, avec l'enforcement, ou son monde qui était témoin, ou son monde qui était contribué, ou son monde qui était témoin au crime, ou t'es ou capable venir avec exemple ça ou capable venir avec facteur ça ou capable demander request for prosecutorial discretion est-ce que ou son moun tout qui est dans l'armée et qui fait partie de militaire ou capable demander ou capable soulever facteur ça pour demander request for prosecutorial discretion et puis community attention à savoir que attention qu'on gagne en communauté ou. Savoir que est-ce que ou son monde qui involve dans communauté et yon nan bay qui est important tout et que immigration tenait compte de yon en pile c'est là que ou involve dans communauté et ben non seulement involve avec femme ou non mais involve dans communauté qui sont fait dans communauté pour communauté aller de l'avant est-ce que ou fait partie d'une organisation cap aider citoyens cap aider moun ou bien tout est-ce qu'on fait partie d'un groupe l'église est-ce qu'on a un groupe l'église cap aider l'autre monde tout ça est important est-ce que on font partie d'un chorale par exemple est-ce qu'on font partie de l'église côté que on aider l'autre monde avancer. Toute question ça et les qu'on fait request ça faut toujours demander pasteur ou bien père ou bien moun qui dans l'église ensemble avec vous moun qui dans l'organisation ensemble avec vous ou capable demander une lettre ça pour capable dire mais qui implication mais qui ont contribué dans avancement communautaire donc tout ça l'important là que on fait request for prosecutorial discretion donc on fait une demande au mandat gouvernement pour que les pas persécuter que soit pour que les capables pas poursuivre que soit les bonnes chances pour que ou capable que soit capable dismiss ou bien que soit capable terminer donc et puis une bagaille que nous te dit avant que nous n'a pas retourner sous lit c'est ça les attachement qu'on gagne dans pays. Le fait que tu es là dans le pays, que tu es en pile dans le pays, est-ce que tu as des gens dans le pays? Est-ce que tu as des gens qui fêtent dans le pays? Est-ce que tu as des familles qui sont dans le pays? Est-ce que tu as des familles qui résident? Est-ce que tu as maman, papa? Est-ce que tu as des frères et sœurs qui résident dans le pays ou bien qui sont citizens? Tout bagaille ça, c'est important pour capable montrer attachement que ou gen nan peyi a. Donc il faut qu'on capable demander à parents moun sa yo pour capable ba on lettre pour ou bien bay sa relé en papier ou capable montrer que yo citizen ou bien yo résident nan peyi a. Est-ce que ou ap travay nan peyi a? Est-ce que ou ap travay? Est-ce que combien de temps gen ou ap travay? Est-ce que travail ou ap travay la son est-ce que son travail ou ap fait comme ça ou bien son travail côté que ou fait en pile temps ap travay? Est-ce que son travail côté que ou travail de manière affilée, c'est pas chaque jour non job. Toute question ça li important pour est-ce que pour yon bon request for prosecutorial discretion savoir que ou capable faire superviseur bon lettre pour capable montrer que ou fait compagnie ça avancer ou son employeur d'exemple ou son exemple dans ou son exemple d'employé ou c'est un monde modèle ou son monde qui intègre toute lettre ça a aidé dans request for prosecutorial discretion donc et puis si que ou gain
sou gen ti moun tou, jakon de dil deja, nan kesyon de humanitarian factor la, ou gen ti moun ki gen problem, ou gen ti moun ki gen problem, par exemple, ki gen problem de disabilite, ou kapab fè doktor ti moun sa bon letre, ke va montre ke koman ke importans prezans ou li important, sou gen de fan, sou gen de paran tou, de paran ki di, ou du moins ke ki depan de ou menm, ou kapab fè doktor, ou kapab bon let, ou kapab montre ke importans ko gen, li nè plè important pou ko rete nan peyi ya, pou ke ou kapab ede yo. Donk, se la kon aprete nan program sa, pou request, pou security discretion, kesyon, donk se nda gen kesyon, pa ezite rele ofis la, nan 617 448 6037. 617 448 6037. C'est avocat Fred Lebrunville. Encore une fois, merci en pile.